Âgé de 60 ans, José Lacerda Ferreira est guide touristique sur La Prouague à Regina. Le 11 juillet 2012, j'étais avec un ami sur le fleuve pour aller pêcher, raconte-t-il par visioconférence depuis Cayenne. Au Sotaconé, trois hommes nous appellent depuis une pirogue en bois sans moteur. Dans sa déposition, le compagnon de balade de José se souvient d'avoir vu un jeune homme au corps fin, à la voix fluette, comme un enfant. Il reconnaît Manuel Zinho, dont la photo fait à l'époque la une de la presse locale. Quand José met les gaz pour tenter de s'enfuir, ils essuient une quinzaine de tirs. José est blessé à la fesse, son compagnon de balade à l'épaule. Ils réussissent finalement à regagner Regina. 8 impacts ont été relevés sur leur pirogue. Ce jour-là, sur La Prouague, on a frôlé le pire.